Yup les gens, c'est Skuldo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode du LP sur Planet Coaster. Donc aujourd'hui on va faire les lumières du parc. Parce que à part l'entrée et vaguement la nouvelle zone qu'on avait fait dans le dernier épisode. D'ailleurs je vous invite à aller le voir puisque c'est plutôt sympa ce qu'on fait. Donc on va éclairer un peu toute cette zone, voilà, donc la zone du Wooden avec la forêt, la zone du train de la mine vers la montagne. Alors peut-être dans le prochain épisode faire une nouvelle zone en fait ici pour connecter les trois zones, donc une zone plutôt principale, un espèce de hub avec plusieurs sorties comme ici. Après on pourra continuer le parc, parce que là le problème c'est si on s'avance là, on va aller dans le coin. Là pareil, et au milieu il n'y aura rien du tout, quoi. Donc c'est pas top de faire ça. Après on peut toujours faire la zone du milieu à la fin, c'est toujours plausible. Après ça dépend de vous, donc si vous avez des idées, mettez-les en commentaire et je les prendrai volontiers, il n'y a pas de souci. Donc on est parti, donc petit accéléré, je vais mettre un peu des lampadaires partout, 2-3 lumières en fonction de la thématique. Bon, il n'y en a pas 10 000 des lumières malheureusement, parce que j'ai pas de DLC en fait sur le jeu. Pour l'instant bien évidemment. Donc allez, c'est parti.
Les gens, donc voilà, je me suis un petit peu amusé avec avec les lumières. Il y a un bel effet, je trouve. Il y a une belle harmonie qui se, une belle symbiose qui se crée, tu vois, dans le parc. Donc c'est plutôt cool. Alors là, c'est parfait. J'ai fait ça au fond du petit, de la petite source là. Comme ça, ça fait un. Non seulement c'est joli, mais ça rajoute un aspect de profondeur en fait. Et ça accentue les reliefs et c'est vraiment joli. Bon là, deux petites torches tranquilles. Pareil, là, deux petites torches différentes. J'ai rajouté des bancs aussi. Donc pareil, pour que les visiteurs puissent s'asseoir. Les lampadaires, hein, bien évidemment. La classique. Hein. Bon, j'en ai mis un peu partout. Mais je trouve que le résultat est vraiment... vraiment joli. Après, faut voir chacun ses goûts aussi. Peut-être que enfin certains diront que la zone est un peu trop chargée et d'autres diront l'inverse. Bref, chacun son avis. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Alors oui, aussi j'ai mis des comme à l'entrée de l'attraction aquatique, des espèces de petites boules lumineuses bleues. Je trouve ça vraiment joli. Au niveau des reflets des couleurs, c'est vraiment magnifique. Donc j'en ai mis un peu partout sur les contours de l'arche en pierre. Pareil, j'ai mis deux petits projecteurs bleus, donc qui balancent de la lumière bleue sur les petites cascades. Voilà, pour rappeler la couleur de l'eau, etc. Je me suis dit que c'est plus ça. Ça serait plutôt pas mal. Donc les gens, la vidéo touche à sa fin. Donc n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à partager, etc., etc. Et sur ce, je vous retrouve pour un prochain numéro. A plus. This avoids the stress of falling out of it.